Mon nom, c'est Mireille Chalifaux. Je suis la directrice générale de l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche. La Matapédia et la rivière Restigouche se trouvent, prend son eau dans la région du Bas-Saint-Laurent et se déverse vers la baie des Chaleurs et pour aller vers la rivière Restigouche. Donc, on se déverse vers la baie des Chaleurs. On est de le côté sud, je te dirais, de la péninsule gaspésienne. Donc, nous, on a notre conseil d'administration qui est représenté par secteur faunique, agricole, récréation touristique municipale, les MRC et la réserve autochtone. Mais le cœur, vraiment, ça, c'est l'administration. Le cœur vient plus avec les battements de cœur, ça fait avec la table de concertation. Donc, la gestion, tout ce qui fait de le plan directeur de l'eau, la définition des pistes d'action, de nos enjeux, nos sites, c'est la table de concertation où on a des... Bonjour, je suis René Pelletier, je suis le président de l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche. Cet organisme-là a commencé à exister en 2001 avec un comité provisoire, 2001-2002, et nous avons eu notre charte en 2003. Notre financement provient à 75% environ du MDDEP et le reste provient du milieu, les municipalités, la MRC et des organismes partenaires. Nous avons ici une rivière et un bassin versant où l'eau est en bonne qualité, il ne faut pas qu'elle se détériore. Vous savez, on est peut-être à un point limite entre l'eutrophisation de certains lacs et la bonne santé. Donc, il y a un peu de surveillance et de sensibilisation à faire, et c'est surtout la sensibilisation et les connaissances que les jeunes vont acquérir, qui vont servir surtout à protéger notre environnement. Bonjour, je m'appelle Caroline Gillis. Je suis représentante du secteur faune de la MRC d'Avignon sur la table de concertation de l'organisme de bassin versant. Puis aussi, je fais un projet de recherche là, de doctorat en relation avec l'organisme de bassin versant. Ben, de s'impliquer dans son milieu vers une genre de force ou de vision commune, ça permet de renforcer les liens entre les personnes, mais aussi de travailler plus efficacement sur un territoire, à soit à ramasser des données au niveau volontaire, soit à donner une importance à ce que l'implication apporte. Hugues Michaud, je suis producteur agricole. J'ai été impliqué depuis les débuts dans le bassin versant, c'est-à-dire l'écriture de la charte, et j'ai siégé quelques années par la suite. Avant de décider de faire un colloque, il y avait beaucoup de tensions au niveau de la table des bassins versants. Chaque secteur était coupable de ne pas maintenir la qualité d'eau comme elle devrait l'être. On a eu la bonne idée de jouer un changement de rôle avec le représentant des rivières à saumon, M. Richard Fort, et moi-même qui représentais l'agriculture, faire de moi un pêcheur et lui un agriculteur. Et de partir la chicane comme elle l'était avant. Autrement dit, on se criait des bêtises un et l'autre. Je signale que j'étais sur le terrain de l'agriculteur avec ma canne à pêche et j'allais pêcher sur sa rivière, qui était aussi ma rivière. Et ça nous a permis de nous rapprocher, de nous connaître et surtout de prendre conscience qu'ensemble, on avait tous des problèmes et ensemble, nous allons être capables de les résoudre.